Hello tout le monde, c'est Axel LPS et aujourd'hui on se tend une nouvelle vidéo facecam. Ça fait la deuxième fois sur la chaîne, j'ai pas encore trop l'habitude, donc désolé si je regarde l'écran qui est à côté de l'objectif du coup, donc voilà, je vais encore une fois essayer de pas le faire. Je précise, oui, pour ceux qui se demanderaient, j'ai revu ma décision de quitter YouTube. Je vais pas vous en parler maintenant parce que c'est chiant, je vais vous en parler un peu dans la description, donc si vous avez envie, go dans la description. Alors cette vidéo est un unboxing de Noël, un haul de Noël on va dire. Je vais vous montrer en particulier mes LPS. Je ne les ai pas encore déballés, les LPS, faut savoir. Donc je vais vous les déballer devant vous. En fait, faut savoir que je les ai commandés à une fille sur Instagram, donc je vais vous mettre son profil juste là. Je les ai commandés, enfin je les ai choisis il y a longtemps, du coup je m'en souviens plus exactement lesquels j'avais pris. Je sais juste qu'il y avait une maison, donc je sais laquelle c'est. Je vais vous les déballer en vidéo. J'aurai un petit peu la surprise on va dire. Alors avant de commencer, je vais quand même vous montrer vite fait, mais genre vraiment vite fait, ce que j'ai commandé d'autre. Vous en foutez un peu, donc je vous mets un timer si vous voulez zapper cette partie. C'est très vite fait, mais voilà quand même. Donc j'ai commandé tout d'abord un disque dur externe parce que, comment dire, donc en 4 ans, comment dire que mon PC, vu que je n'efface jamais mes rushs, il est full. Voilà, donc c'est à ça que ça sert. Vous vous en foutez complètement, je passe à autre chose. Ensuite, j'ai commandé le coffret Roger et ses humains, donc de Cyprien. Des deux BD, donc j'ai regardé parce que c'était écrit 100 Polaroids dédicacés par les auteurs ont été glissés aléatoirement dans les fourreaux. Ferez-vous partie des chanceux qui en trouveront un? Personnellement non, donc je suis dégue, mais c'est pas grave, bon, voilà. En tout cas je suis contente, donc comme ça j'ai les deux BD, je les avais pas achetés avant, donc voilà. Et enfin, je sais pas si vous connaissez Fabien Olicard, mais voilà, Fabien Olicard et Céline H ont sorti la Memory Box, donc je l'ai acheté tout simplement. Ça va surtout me servir pour les cours en fait. Donc on s'en fout un peu. On va passer à ce que vous entendez tous, les LPS. Donc je vais essayer de pas regarder, juste regarder la maison. Donc voilà, alors voici la maison que j'ai commandée. C'était celle-ci, puisque c'est, je crois, une des seules maisons. Oula, une des seules maisons G2 que je n'ai pas. Du coup, je l'ai commandée. Et puis bah voilà quoi, donc ça complète un peu ma collection de maisons qui se fait assez grande. Donc je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui ne voient pas, qui ne voient pas comment elle est. Donc voilà, alors je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le club de détente. Donc voilà, ça se présente comme ceci, il y a beaucoup trop de choses, donc là c'est la partie dont on s'en fout un peu. Voilà, il y a ça aussi là qui permet de tourner. Bref, c'est une maison. Il reste les LPS, donc je ne les ai pas vus. Je sais un petit peu parce que c'est quand même moi qui les ai choisis, mais il y a longtemps, donc enfin en octobre, donc j'ai un peu oublié. Voilà, donc c'est parti. On se retrouve pour le déballage des LPS. Ok, donc c'est parti. Je me suis toujours pas spoilée. Je vais déballer ces LPS, enfin les piocher un par un. Alors, oh, déjà, donc il y a un accessoire, comme ça je me suis pas encore spoilée. Donc très bien. Une petite lettre, je vais vous la lire. Alors donc, voici les LPS que tu as commandé. Je te remercie d'avoir choisi des LPS parmi ceux que je t'ai montrés. Si tu veux savoir, pour les modifications qu'il y a eu sur ceci, c'est avec du vernis. Je me souviens bien. Merci encore amicalement, Satan Chan. Alors merci à toi parce que c'est super sympa de m'avoir contacté. En fait, je vous explique, elle m'a contacté sur Instagram pour vendre ses LPS et elle les vendait grave pas cher en plus, donc juste merci, merci, merci beaucoup. Alors premier LPS que je pioche. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, je suis trop contente. C'est un de mes LPS dream. Oh my god, j'en reviens toujours pas. Enfin, il est juste trop chou. Ah, c'est la mascotte de Canico LPS. C'est vraiment un de mes LPS dream. Je suis trop contente. Donc ça, c'est le first LPS. Je suis juste trop contente. Voilà, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment... Je crois que c'est un des premiers LPS qui a été dans mes LPS dream. Je veux dire, Canico LPS, c'était genre la première LPS tubeuse que j'ai connue avec celle de BBL. Et c'était sa mascotte et j'étais juste trop fan. Enfin bref, voilà. Trop contente. Second LPS. Il est trop chou. Donc, second LPS, donc c'est ce chaton. Donc, il a un peu les yeux rouges, mais c'est pas grave. En vrai, il est mignon aussi, trop mignon. Voilà, je suis trop contente. Nous passons au troisième LPS. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Donc, je suis trop contente. Je suis juste trop contente. Comment vous dire?
Voilà, donc j'ai ce fameux chat européen. Donc certes, il est... Je vois qu'il a un peu les oreilles... un peu... Enfin, je veux dire, il est pas à l'état neuf, mais franchement, pour le prix, je précise, il me semble que c'était soit 1€, soit 2€ les LPS. Il me semble que c'était 2€ les LPS, je sais plus. Bref, vu le prix, franchement, je suis trop, trop heureuse. Oh my god, voilà la beauté de ce LPS, je suis trop heureuse. Je reviens pas. Oh mon dieu, je reviens pas. Bref, je suis trop contente. Voilà, franchement, pour le moment, là, c'est de là. Oh my god. Oh my god. Bon, alors, c'est le PS. Juste. God. So beautiful. So pretty. Je suis trop contente. J'en reviens pas. C'est aussi un de mes best dreams, donc j'étais trop contente. Juste. Oh my gosh! Alors, le suivant, donc le voici. Alors, lui, par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a eu du vernis, vachement beaucoup de vernis, mais bon, c'est pas dramatique. En vrai, je suis quand même trop contente. Donc, voilà, voilà le LPS. Alors, pour celui-là, c'est vrai que pour le coup, je suis un petit peu déçue qu'il y ait beaucoup de vernis et tout. Oh my god, lui, par contre! Oh my gosh! Ah, lui par contre, il est en trop bon état par contre. Mais bref, je suis trop heureuse pour celui-là. Pour le coup, il est vraiment trop beau. Donc merci de ne pas avoir mis du vernis dessus, pour le coup. En vrai, j'adore les chats de cette forme-là. J'en ai genre deux, je crois. Et lui, c'était vraiment... Je crois que si je devais en avoir qu'un seul de chat de cette forme-là, c'était clairement celui-là. Je suis trop heureuse, mais avouez la beauté de ce LPS. LPS suivant. Ce chat européen. Certes, il n'est pas forcément en état génial et tout. Il a un peu décoloré la tronche. Mais il est mignon. Ensuite. Oh là là. Donc ce petit chaton, pour le coup, en bon état. C'est le premier. Je crois que c'est le premier LPS maman-bébé que j'ai. Parce que quand les LPS maman-bébé étaient sortis, j'aimais pas les LPS, je crois encore. Et je crois que c'est vraiment une de mes séries LPS préférées. Enfin, et pour le coup, je suis trop contente parce que ce petit chaton, il est juste trop chou. Regardez-moi cette tête. LPS suivant. Oh my gosh. Oula, là par contre... Oh, là par contre, il est en trop bon état. Oh là là. Ah là par contre, je suis trop heureuse parce que là... Oh my gosh. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais il est trop beau. Tout simplement. Ensuite... un autre. Ah oui, non, c'est celui-là qui était son bébé, je crois. Mais bien sûr, c'est celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai confondu. Bref. Oh my god, un autre bébé. Il est trop choupinou. Oh my god. C'est quoi cette platitude de la tête à l'arrière? Le tonsil et la platitude. Oh, j'avais pas vu. Oui, je savais pas qu'ils avaient cette platitude de la tête. J'ignorais. Bon, maintenant, je sais, mais... Et alors, ensuite... Oh my gosh, celui-là par contre il est en bon état. Bref, voilà, alors ça c'est le LPS du coup, la mascotte de Citronelle, si je ne me trompe pas. Donc voilà, voilà, je sais pas quoi dire d'autre dessus, mais en tout cas je suis grave contente. En vrai je me rends compte que j'ai grave plein de chats européens en plus, genre regardez. Voilà, oups. J'ai 4 chats européens en plus, c'est quand même pas rien, donc bref, je suis contente. Voilà, alors, next. Je me rends compte que je me commandais beaucoup. Ooh, god. So beautiful. Non, en vrai, là, ouh, je suis trop contente. Bref, voilà, alors ce danois, je vais vous montrer. Voilà, donc, ça, c'est un de mes premiers LPS, donc c'est ce danois-là, et donc ce danois-ci, qui fait donc la version avec pas de... signe dans les yeux, donc c'est son frère jumeau tout simplement, donc voilà, et je sais pas quoi dire d'autre, mais il est en trop bon état pour le coup. Voilà, je sais qu'il y a pas mal d'LPS là qui avaient du vernis ou des trucs autour des yeux et tout, et j'avoue que je suis un peu déçue de ça, parce que j'avais pas bien vu sur la photo en plus, mais c'est pas dramatique, parce que franchement 2€ LPS, c'est pas comme si je les avais payé 20 balles, 20 balles le LPS, mais bref. Par contre ce danois, je sais pas quoi dire, mais wow. Je crois qu'il me reste un, ouais. Oh my god. Je me souvenais plus que j'avais commandé celui-là. Ah oui, il est trop mignon. Voilà, donc comme ça, j'ai les deux. J'ai les deux bibis. Ils sont tellement choux. Oh là là, je suis en surkiff de ce...
cette forme-là de chat. Je crois que c'est tout. Ah non, 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 il en reste un, excusez-moi. Voilà, le dernier qu'il restait. Voilà, donc c'est une forme customisée de ce LPS en celui-ci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir envoyé tout ce LPS. En vrai, je suis l'LPS pour lesquels je suis le plus contente, c'est celui-ci, clairement, on va pas se mentir, celui-ci, ouais, lui aussi, donc maintenant j'ai donc 727 LPS, oui, alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si c'est le cas. Ciao la compagnie.